Bonjour à tous, c'est Extrême Tom. Je vous propose ce tuto pour pêcher le poisson-chat à tête plate, le poisson-chat bleu aussi, qui se prend aussi avec, au poisson-nageur. J'ai vu que pas mal de joueurs donc utilisaient sur Fishing Planet la canne de fond et le bouchon pour en prendre, alors que vous avez cette technique qui est plus sympa, plus performante aussi, je pense, en les prenant au poisson-nageur. Donc, on va aller tout de suite vers le matériel qu'il nous faut. Donc moi, j'utilise la Rivertex Zeus, qui est une très bonne canne, je vous la conseille. Elle va vous être utile sur toutes les maps. Voilà, c'est une canne qui prend beaucoup de leurres différents, parce qu'elle les prend entre 21 et 60 grammes. Et elle a une puissance maximale de 21 kg. Donc vous pouvez pêcher quand même pas mal de poissons avec. C'est une très bonne canne, si vous ne l'avez pas achetée-là, je vous la conseille. Donc pour ici, on va prendre donc aussi le moulinet, le Thunder Speed 5000. Donc pourquoi je prends ce moulinet? Parce qu'en fait, comme vous pouvez voir, il a une récupération de 80 cm. Et pour les poissons nageurs, il est intéressant d'avoir un moulinet avec une récupération pas trop rapide. Parce que moins vite vous le ramenez, ben plus vite il restera dans l'eau. Hein. C'est tout bête. Hein. Et en fait, ça augmentera vos chances de touche. Voilà. Donc en fil, je prends du monofilament. Alors là, bon, ben, il y a débat. Moi, je trouve que le monofilament marche beaucoup mieux pour les poissons-chats. Bon, je ne suis pas le seul à le penser. Après, je ne sais pas si vous êtes d'accord, si vous avez déjà testé. N'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis. Voilà, je pense que quand même le monofilament marche quand même beaucoup mieux pour les poissons-chats. Donc à voir. C'est l'idée que j'ai. Après, je me trompe peut-être. Hein, j'ai pas la science infuse. Donc. Voilà, donc vous pouvez voir que mon montage est optimisé, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez pêcher le frein du moulinet à fond. Alors tout bêtement, parce que ma canne fait 21 kg maximum, que mon moulinet fait 17 kg. Donc en fait, le moulinet est légèrement en dessous de la puissance de ma canne, et mon monofilament fait 17,4, et il est légèrement supérieur que mon moulinet. Donc en fait, vous pouvez pêcher frein à fond. Voilà, vous pouvez s'en casser, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Vous avez tous les voyants qui vont monter dans le rouge, mais vous inquiétez pas. Vous verrez quand on pêchera, ça ne cassera pas. Ça a deux avantages. Si ben, vous voulez farmer, ben, évidemment, ça vous permet de pouvoir pêcher les plus gros poissons possibles avec le plus petit matériel possible, en l'exploitant à 100%. Et le deuxième gros avantage, c'est qu'en fait, l'avantage de pêcher frein à fond, sans casser, c'est de préserver vos leurres. Alors bon, un leurre comme ici, là, vous voyez que vous avez acheté en boutique, c'est pas spécialement grave. Mais si vous avez un leurre qui est achetable en Bitcoin, si vous avez un leurre qui vient d'un DLC, ou si vous avez un leurre X-Series que vous avez gagné pendant les défis 30 jours et que vous le perdez, il va être très difficile de le ravoir, à part en faisant des compétitions officielles, en finissant dans les 3 premiers. Et en plus, depuis une mise à jour qu'il y a eu, c'est la loterie parce que sur les compètes officielles, vous avez plusieurs leurres au choix. Et en fait, un leurre X-Series vous est donné au hasard. Donc voilà, vous pêchez frein à fond. Ça fait qu'il ne peut pas vous arriver grand-chose, à part de tomber vraiment sur une bûche qui va vous dérouler tout le fil. Mais enfin, ça vous limitera des erreurs de réglage de frein et de casser sur un poisson. Voilà, on va faire un tuto donc avec ce poisson nageur qui est le 2,50 m 6,0. Donc vous pouvez voir qu'il fait 56 grammes, donc il faut bien faire gaffe que votre canne en fait elle prend ce poids-là. Et c'est la qualité si vous voulez de la Zeus, parce que comme elle prend les leurres entre 21 et 60 grammes, et que le poisson nageur en fait il fait 56 grammes, donc il passe. Donc vous avez des poissons nageurs qui marchent beaucoup mieux que celui-là, mais un qui vient d'un DLC. Et un qui est X-Series. Donc celui qui est du DLC, c'est un DLC d'ailleurs que je vous conseille. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter, je dis bien, vous n'êtes pas obligé. Hein. Mais en fait, il n'est pas très cher. Là, j'enregistre sur mon compte Xbox. Et il est à 7 € et je crois qu'il est un peu moins cher sur Steam, il me semble. Donc en fait, bon, ben, tout ça, vous en foutez un peu. Voici, ouais, il vous amène même pas de premium. Mais en fait, c'est surtout à partir de là. C'est tous ces leurres-là. Tous ces leurres-là, c'est une tuerie. C'est vraiment une tuerie. Donc là, ces leurres-là, ben, vous les avez en double. Ça vous permet, au cas où, si vous en perdez un quand même, d'en avoir un en secours. Et sinon, tous les autres, ceux-là, vous les avez par 20.
Et ceux-là, vous les avez par 10. Bon, tous ces leurres-là sont excellents. Tous ces leurres-là, je vous les conseille. Ils marchent vraiment très bien. Très très bien. Je ferai souvent des tutos et je vous dirai lesquels utiliser, pourquoi. Par exemple, le ver crotal pour l'achigan. Enfin, vous verrez. Et donc, vous avez ce poisson nageur-là, bah, qui marche encore mieux que celui que je vous ai montré, là, le couleur citron. Voilà, je l'ai, il est là. Il est ici. Voilà. Et sinon, vous avez le X-Series qui est ici. Et je ferai un tuto, je pense. Il y en a déjà sur Internet. Mon ami Fergus, il en a fait un. Mais j'en ferai peut-être un aussi. Je vais voir pour savoir comment les avoir, pour ceux qui ne savent pas. Donc celui-là aussi, il marche terrible. En fait, si vous avez ces deux-là, vous alternez entre celui-là et celui-là. Et croyez-moi, vous allez enchaîner les uniques. Voilà, là, on fait des uniques. C'est un peu plus dur. Voilà, c'est un peu plus dur quand même. Mais on en fait aussi. Voilà. Mais vous verrez, on les enchaîne bien. On rentre donc sur la map. Donc, vous allez sur le spot les étendues marécageuses qui se trouvent ici. On va se mettre dans une salle privée pour être tranquille. Donc une fois que vous arrivez sur le spot, vous avancez par ici. Vous mettez en face là de la balise qui est là. Enfin vous aurez peut-être pas la balise, mais je vous en conseille d'en mettre. Donc en fait, vous faites attention parce qu'à droite, vous avez un herbier là, ici. Et en fait, quand vous visez trop près de cet herbier, ben, vous vous accrochez. Et vous ramenez des bâtons. Vous ramenez pas mal de choses. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Donc vous lancez, vous mettez vitesse 1. Et vous ramenez sans vous prendre la tête. Alors attention avec cette méthode aussi, vous pouvez prendre du barmoucheté, vous pouvez prendre des achigans et des brochets. Parce qu'ils aiment plutôt pas mal quand même le poisson nageur. Ça, c'est un poisson chat. Ah, c'est un costaud. Oh, quoique pas tant que ça. Non, non, c'est un petit. Enfin, c'est un petit. 11 kilos quand même. Alors, poisson chat à tête plate, vous pouvez prendre ben, le classique comme celui-là. Et vous avez les trophées et l'unique. Cette méthode marche très bien sur les trois. Voilà encore un. Alors après, voilà, hein, pour le fil monofilament, il y a des bas. Moi, je trouve que ça marche quand même mieux. Après, c'est juste peut-être une impression, hein. Vous changez un peu les lancers, hein, un peu vers la gauche, un peu vers la droite, plus ou moins long ou court. Mais bon, tant que vous restez sur cette zone, c'est bien. Alors vous avez le leurre qui peut frotter au sol, mais c'est pas bien grave. Vous pouvez faire aussi une petite animation stop and go. Elle s'affichera pas, mais ça les attire une fois que le leurre est bien au fond.
Arrivé à 10 mètres, vous pouvez ramener vite. Hein. Généralement, s'ils suivent à 10 mètres, on les voit. On voit la queue dépasser. Alors je mets vitesse 2 au départ, ça fait que le leurre il coule un peu plus vite. Et dès qu'il a coulé, je remets vitesse 1. Petite technique. Voilà, vous pouvez faire voilà, comme un petit stop and go là. Bon, après, il faut être un peu plus. Généralement, quand un chat attaque, il attaque direct. Hein. C'est très rare qu'il loupe le leurre. Ils sont assez voraces. Vitesse 2 dès le départ, et dès qu'il coule, je remets vitesse 1 parce qu'il est un peu long à couler. Voyez que cette méthode, quand même, marche très bien, même avec un poisson nageur de base, on va dire. Hein. Après, vous pouvez toujours prendre, comme je vous ai dit, ben, le X-Series et le poisson nageur du pack que je vous ai montré, qui marche encore mieux. C'est un trophée. Vitesse 2. Et dès qu'il a coulé, vitesse 1. Ça vous permet d'avoir le poisson nageur le plus rapidement possible au fond. À 10 mètres pour les ramener plus rapidement. Parce qu'à 10 mètres, ben, quand il suit, on le voit tout de suite. J'ai atterri dans l'herbe. J'ai atterri dans l'herbe. Aïe, aïe, aïe. On s'en est sorti. Ça, c'est un achigan, un brochet ou un bar mousseté, je pense. Mousseté. Bravo, le langage. Voilà, comme vous pouvez voir, ils aiment aussi le. C'est un achigan. Ils aiment aussi les poissons nageurs. On va un peu pêcher vers la gauche pour éviter les herbiers. Toujours pareil, hein, vitesse 2, vous attendez qu'il coule, vous repassez vitesse 1. Et
Et donc, vous pouvez faire l'unique avec cette méthode. Après, vous ferez beaucoup plus d'unique avec les deux poissons nageurs que je vous ai montré, mais bon. Vous pouvez le faire aussi avec celui-là. Donc, vous avez donc ce spot-là. Je vais vous montrer aussi le spot tout à droite. Voilà, vous allez là. Hop. Et là, vous pouvez envoyer sur toute cette zone-là. Et ici aussi, vous avez l'unique. Vous avez poisson chat bleu aussi. Alors, toujours pareil, hein. Vitesse 2, une fois qu'il est au fond, vitesse 1. Vous pouvez envoyer ici aussi. Ça marche aussi. Toujours attention aux herbiers, hein, forcément. Il n'y a pas trop de fond, mais il y a aussi du poisson chat. Ah, on a une touche. Alors vous pouvez garder la vitesse 2, mais je préfère la vitesse 1. Après, bon, il y en a aussi qui pêchent en vitesse 2. Là encore un. Vous voyez, ce spot marche très bien ici aussi. Encore un trophée. Alors, pour marquer votre poisson, vous appuyez sur la touche interrogation de votre clavier. Si vous êtes sur PC, forcément, vous appuyez sur le plus. Voilà, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre et il y a marqué placer la marque pour le dernier poisson. Vous tapez oui. Donc voilà, vous avez donc le poisson que vous avez pêché, le poids, la météo, la date, à quoi vous l'avez pris. Et en haut, vous avez marque, donc cliquez dessus, vous effacez, et vous pouvez mettre toutes les infos que vous voulez. Donc moi, je mets le nom des poissons. Chat. Tête plate. Et vous validez. Si vous avez des amis dans le jeu, vous pouvez cliquer sur partager et là vous avez vos listes d'amis, vous cliquez sur l'ami que vous voulez et vous faites partager et il recevra la bouée. Et donc la bouée ici, voilà, chat à tête plate, à tout moment vous pouvez la retrouver
et vous l'avez ici sur la map. Comme ça, vous vous souvenez où est-ce qu'il faut que vous lanciez. Ça, c'est un petit achigan. C'est un bar moucheté. Donc, vous allez à la cabane ici, la maison du pélican. Là, vous faites un demi-tour sur vous et vous prenez la passerelle ici sur la droite. Vous allez tout au bout. Et là, vous lancez droit devant vous. Voilà les amis, bon pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais vous faire une petite ellipse et je vais vous montrer qu'on peut attraper aussi l'unique avec cette méthode. Je vous remercie d'avoir suivi ma première vidéo, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche et je ferai sûrement d'autres vidéos sur Fishing Planet, Fisher Online et d'autres, je vais voir. Merci les amis, à très vite. Plate unique, voilà, avec le poisson nageur je vous ai montré, un 6-0. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très vite pour des prochaines. À plus les gens.